C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Il s'observe un manque de matériel didactique sur certains établissements du pays. Le cas d'exemple est à l'école fondamentale Kinga, en commune scolaire de Kayanza, où on rapporte plus de 120 élèves se partageant trois manuels de discipline. À ce propos, le président de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'éducation de l'enseignement, FENASEB, demande au ministère de l'Éducation nationale de prendre au sérieux ce problème. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et au moment où la campagne internationale des 16 jours bat son plein, la campagne plutôt de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre bat son plein. Certains habitants de la mairie de Bujumbura réclament que les auteurs de ces violences soient punis pour combattre efficacement ces violences basées sur le genre. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Ouvrons ce journal par la page économie. Les recettes attendues pour le premier trimestre de l'exercice en cours ne seront pas atteintes. Déclaration du ministre du Budget après une visite effectuée à l'Office burundais des recettes pour échanger sur les stratégies à prendre pour l'augmentation des recettes. C'est au moment où la journée du contribuable sera célébrée ce 3 décembre 2024. Audace Niyonzima a précisé qu'il y a écart de plus de 110 milliards sur les recettes attendues. Suivez-le. Et ce matin, nous avons effectué une visite dans les bureaux de l'Office burundais des recettes. L'objectif, c'était de remettre les employés au travail parce que, comme vous l'avez constaté, au cours de l'exercice passé, nous avons pu réaliser le target, donc l'objectif des recettes qui étaient prévues dans le budget. Mais le constat que nous avons au gouvernement, c'est qu'au cours de ces 4 premiers mois, nous ne sommes pas en train de réaliser les objectifs qui se sont fixés. Donc pendant les 4 premiers mois, nous sommes en dessous de l'objectif d'environ 110 milliards. Bon, il y a des raisons pour ça qui peuvent être avancées, mais il y a d'autres qui ne peuvent pas tenir. Nous avons invité, exhorté tout le personnel de l'OBR de se séparer des mauvaises habitudes, c'est-à-dire des habitudes de fraude au niveau des douanes et au niveau des taxes internes. Aussi d'assurer le suivi des contribuables. Parce que ces derniers temps, nous constatons que les contribuables ne sont pas en train de se conformer à la loi, notamment en délivrant la facture. Parce que c'est sur base de la facture que nous collectons la taxe sur la valeur ajoutée qui constitue la principale source des recettes. Donc nous avons exhorté les employés de l'OBR de se ressaisir, de se remettre au travail, de mettre plus d'efforts pour réaliser les objectifs qu'on a fixés dans le budget. Parce que si on n'atteint pas les objectifs, on ne pourra pas exécuter les missions qui sont prévues dans le budget. Et parmi les obstacles qui sont avancés, c'est les moyens de travail, notamment les bureaux. Il y a un bureau qui est loué au port, il y a aussi un autre bureau qui est loué ici à Kigobe. Et tous ces bureaux s'avèrent actuellement inconfortables et insuffisants. Et c'est pour cela que le gouvernement a développé ce projet de construction d'un bâtiment qui va abriter tous les bureaux de l'OBR. Nous nous rendons compte que les constructions sont ralenties par un certain nombre de problèmes. Nous sommes convenus que nous allons mettre les moyens qu'il faut pour accélérer la construction et achever ce bâtiment. Poursuivons ce journal par la page éducation à Kayanza, exactement à l'école fondamentale Kinga. La classe de 5e souffre d'un manque criant de manuels scolaires. Plus de 120 élèves se partagent trois manuels de trois disciplines, dont les langues, les maths et les sciences et la technologie. C'est au moment où deux enseignants prestant dans cette classe partage un seul guide d'enseignants. Le maître responsable à cet établissement scolaire indique que le manque criant impacte négativement sur le rendement scolaire. À ce propos, le président de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'éducation et de l'enseignement demande au ministère de l'Éducation nationale de prendre au sérieux ce problème. Suivez-le.
Le premier trimestre s'achemine vers sa fin alors que les apprenants de 5e année de l'école fondamentale de tout le pays n'ont pas été dotés de livres de l'élève ATA suite à leur impression à l'étranger. L'absence de ces livres a contraint les anciens de ces classes à dispenser des enseignements tronqués parce que chacun devait se débrouiller de sa manière à base de fichiers du maître reçus après des formations en cascade sur les nouveaux programmes ici de la réforme. Ces derniers n'ont reçu que des fichiers du maître. Pendant la pratique de classe, les exploitations devenaient problématiques, surtout lorsqu'il s'agissait d'exploiter des textes supports. Cette situation s'est produite alors que le ministère ayant l'éducation dans ses attributions dispose de la régie de production pédagogique RPP qui est en service dont les attributions sont de produire et de commercialiser les manuels et autres documents pédagogiques. Qu'est-ce qui manque pour que cette institution s'acquitte correctement de sa tâche pour la disponibilité à temps des manuels? Si les manuels sont disponibles, les élèves pourront-ils poursuivre les enseignements du deuxième trimestre alors que ceux du premier trimestre sont biaisés? La Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, demande au ministère et à l'éducation dans ses attributions de ne pas négliger cette question parce que la compréhension des matières de la sixième année est conditionnée par la maîtrise des contenus de cinquième année. La réforme en cours atteindra la sixième année fondamentale l'année scolaire prochaine. Nous demandons qu'elle soit préparée en conséquence. Parlons de la santé. Maintenant, plus de 95% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut, tandis que parmi eux, 99,8% sont déjà sous traitement antirétroviral. Selon le directeur du Programme national de lutte contre le sida, toutefois, le docteur Aimé Daïdzeye estime que malgré toute ces avancées, à la veille de la célébration de la Journée mondiale contre le sida, de nouvelles infections sont toujours observées, surtout chez certains groupes, dont les enfants de moins de 4 ans et les groupes des gens ayant entre 15 et 49 ans. Suivez-le. Et la personne vivant avec le VIH aujourd'hui, à l'œil nu, on ne peut pas l'avoir. C'est-à-dire qu'on a déjà fait des progrès et par rapport à ça, déjà au premier vu. Et alors, à mesure des progrès, on fait référence beaucoup plus par rapport aux cibles mondiaux que les pays sont appelés à atteindre. Ici, je dois citer les 3,95 que nous sommes appelés à atteindre en 2025 pour maintenant continuer à les maintenir, pourquoi pas améliorer jusqu'à la fin de 2030 pour être certifié d'avoir éliminé le VIH. Et par rapport à ces 3,95, et dont le premier signifie qu'il faut qu'au moins 95% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, puisqu'il y en a qui vivent avec le VIH sans le savoir. Le deuxième, c'est qu'il faut qu'au moins 95% de ces personnes qui connaissent leur statut sérologique soient sous traitement antirétroviral. Et le troisième, il faut qu'au moins 95% de ces personnes vivant avec le VIH sous traitement antirétroviral et une charge virale indétectable. Et par rapport au premier 95, nous sommes actuellement à 95,5% des personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut sérologique. Vous voyez que nous avons déjà fait une avancée par rapport à ce premier 95. Pour le deuxième, nous avons 99,9% des personnes vivant avec le VIH qui connaissent les statistiques sérologiques qui sont sous traitement antirétroviral. Vous voyez que presque toutes les personnes vivant avec le VIH sont sous traitement. Et le troisième, nous avons 92% des personnes vivant avec le VIH sous traitement antirétroviral qui ont une charge virale indétectable. Vous voyez que nous sommes en train de cheminer vers l'atteinte de ces 3,95. Et d'ailleurs, l'année 2023, le Burundi a été primé comme quoi, étant parmi les pays qui sont en train de bien progresser vers l'atteinte des cibles, on espère alors que l'année 2025, si nous allons compiler toutes les données de l'année 2024, nous aurons de bons chiffres. Là, nous devons préciser aussi que nous avons sensiblement réduit les nouvelles infections à VIH et les décès qui sont liés au VIH à un taux qui avoisine 70%. Mais bien que nous avons réduit les nouvelles infections à VIH,
parmi les personnes qui sont infectées, les nouvelles infections, nous constatons que la grande proportion est observée chez les enfants de 0 à 4 ans, ce qui est dû à la transmission mère-enfant. Il y a des mères qui sont en train de transmettre le VIH aux enfants. L'autre catégorie, ce sont les personnes qui ont l'âge entre 15 et 49 ans, et d'ailleurs beaucoup plus les personnes entre 25 et 49 ans. Certains habitants de la mairie de Bujumbura évoquent l'impunité des auteurs de violences basées sur le genre comme l'une des causes d'une non-éradication efficace de ces violences. D'autres disent que c'est plutôt lié à la non-dénonciation des auteurs. Ils proposent que les auteurs puissent être punis exemplairement. Ils le disent dans le cadre de la campagne internationale des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre, député le 25 novembre. Suivez-les. Selon moi, pour éradiquer ces violences basées sur le genre, il faut que les parents organisent des dialogues d'échange avec leurs enfants pour leur apprendre que des violences basées sur le genre existent et comment éviter de tomber dans les pièges des prédateurs sexuels. Il faut également que la loi pour lutter contre les violences basées sur le genre soit renforcée et des sanctions sévères à l'encontre de ces violences basées sur le genre. On entend ceux qui nient aujourd'hui qu'il n'y a plus d'OVBG alors qu'elles existent toujours. Pour moi alors, il faut punir de façon exemplaire les auteurs et surtout qu'ils purgent leur peine parce qu'on a déjà constaté que ceux qui sont emprisonnés et qui sont relâchés quelques jours après. Certains préfèrent des arrangements à l'amiable avec les auteurs des violences basées sur le genre parce que peut-être l'auteur est un membre de la famille ou une haute personnalité. Et à cause de pots de vin, les parents abandonnent dénoncer l'auteur. Vous comprenez que cette personne n'aura jamais peur de faire ces actes ignobles. Ensuite, il faut que la corruption à tous les niveaux soit bannie. On a déjà constaté des conseillers culinaires qui favorisent des arrangements à l'amiable suite au pot de vin. Il faut que toute personne, homme et femme, victime de violences basées sur le genre, ose dénoncer dans le but de les éradiquer. Les hommes ont peur suite à la culture burundaise. Et enfin, il faut que le gouvernement fasse un suivi rigoureux de l'application de la loi sur la violence et combattre les arrangements à l'amiable. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.